Hey, salut tout le monde, c'est Brigamer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle live construction. Donc, une live construction d'un set Lego Star Wars sorti en 2014, si je dis pas de bêtises. Donc, référence 75074. Donc, c'est un Microfighter, donc la série 2. Donc, c'est le Snow Speeder. Donc, là, on peut voir la notice qui est plutôt petite, hein. Ici, la boîte, donc avec le set. Donc, là, on peut voir bien mis en évidence série 2, Microfighter. Ici, le personnage, le pilote en 1-1, donc en taille réelle. Et sinon, là, voilà, on peut voir les missiles et les autres sets de la série 2. Voilà. Donc, une fois qu'on a ouvert le set, donc on a les pièces suivantes. Voilà. Donc, on va commencer directement par construire. Donc, on va commencer directement avec une pièce 2x4 grise. Sur cette pièce, on va mettre une pièce 2x6 noire. Ensuite, on va mettre ici une pièce 1x2 grise foncée. Hop. Et ici, on va mettre 4 petites pièces 1x2 avec un petit crochet à moitié. À tenon, voilà. On va faire ça comme ça. On en met 4. Là. Donc, gris clair, par contre, cette fois-ci. Et la dernière. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre deux pièces. Alors, une fois deux, une fois deux comme ceci. Et il y a une place de 2x2 à l'avant. Donc, on en met une comme ça et une autre comme ceci. Voilà. Ici, on va mettre une pièce 2x3. Alors, orange, donc ça ressort bien l'orange. J'aime beaucoup cette couleur dans les pièces Lego. Ici, on va mettre une pièce 2x4 grise claire encore. Et ici, deux pièces. De chaque côté, une pièce une fois une grise claire. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre deux briques ou deux pièces une fois deux, une fois quatre, pardon, avec des petits tenons, des petits, des trous hein, comme ça, comme ceci. Ici, on va mettre une pièce 4x4 grise foncée, et ici on va mettre deux pièces donc comme ceci. Voilà, donc on en met une comme ceci et une autre ici. Voilà, donc ça donne ça pour l'instant. Là, je casse tout, donc ça donne ça pour l'instant. Voilà, donc avec les petites pièces ici. Donc ici, on va mettre une pièce 2x4 grise claire encore, donc il y en a beaucoup, on est comme ça. Et ici, sur chaque côté, on va mettre une pièce 1x4 blanche. Voilà. Ensuite, ici, on va mettre une pièce 2x2, alors beige. Ici, on va mettre une pièce fromage de chaque côté, donc blanc. Blanche, une pièce, oui, bien blanche. Ici, on va mettre une pièce 1x2 blanche et ici une pièce 1x2 grise avec un seul tenon. Sur chaque côté, on va mettre une brique 1x1 avec un tenon à l'avant. Sur les côtés, on va mettre alors d'abord une pièce fromage blanche. Et une pièce fromage 1x2. Donc on fait ça de chaque côté. Voilà. Ensuite, sur la brique, on va mettre une pièce fromage orange. Donc dans ce sens-là. Ici, on va mettre une brique avec une brique imprimée. Donc on peut voir le petit design. Voilà. Donc on le met comme ceci. Oui, comme ceci. Ici, on va mettre les petites fenêtres. Donc pour faire les fenêtres, ce sera des pièces fromage transparentes.
et de l'autre côté également. Voilà. Donc on peut bien voir ce que ça va donner. Donc là, ça commence à prendre forme. Ici, on va mettre une petite manette, donc grise. De ce sens-là. Voilà. Ensuite, on va laisser ça de côté. Donc ça, c'est fini. Il restera plus qu'à faire les ailes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc on va faire les ailes. Donc on commence avec une pièce 1x4 blanche. Sur cette pièce 1x4, on va mettre une autre pièce 1x4 grise claire avec des tenons. Sur cette pièce, on va remettre une pièce 1x4 blanche, mais comme ceci. Et sur le trou qui reste, on va mettre une pièce comme ceci. Ici, on va mettre une pièce, donc une sorte d'aile, voilà, comme ceci. Et ici, pour faire la forme de l'aile, pardon, je me suis trompé. Et ici, pour faire la forme de l'aile, on va mettre une pièce comme ceci. Ici, on va mettre une pièce 1x4 avec juste deux tenons, grise claire. Et ici, une pièce 1x2 avec ceci. Ici, on va mettre une pièce 1x1 grise claire. Et pour rattacher les deux ici, on va mettre une pièce 1x2 grise foncée. Ici, on va mettre une pièce 1x1 avec un petit crochet orienté dans ce sens. Ici, une pièce fromage blanche. Et ici, une pièce 1x2 grise avec la même chose que tout à l'heure. Ici, on va mettre une brique 1x1 avec un trou au milieu, blanche. Voilà. Ici, une pièce fromage orange. Voilà. En dessous, on va mettre dans le petit trou les Flickfire Missiles. Donc, basique, hein, avec un embout rouge. Donc, on met ça dedans. Donc, l'aile gauche est finie. Donc, on va la mettre dans les petits trous ici. Oula, si j'enlève tout, pente. Voilà. Et donc, ça bouge pas. Vous pouvez pas bouger, sauf si vous forcez comme un malade. Mais voilà. Et donc, ça, c'est fait. La première aile gauche. On va ensuite passer à l'aile droite. Donc pour l'aile droite, on commence pareil que l'autre, sauf qu'on fait un effet miroir. Donc on prend une pièce 1x4 blanche. Sur cette pièce 1x4, on va mettre une pièce 1x4 grise avec des tenons. On va remettre une pièce 1x4 blanche, et comme ceci. Le seul trou qui reste, on va mettre une pièce comme ceci. Ici, on va mettre encore la petite aile dans ce sens-là. Et ici, le reste de l'aile. Ici, pareil, on va mettre une pièce 1x4 avec juste deux tenons. Et ici, une pièce 1x2 avec ceci. Ici, on va mettre une pièce 1x1 grise claire. Ici, une 1x2 grise foncée. Ici, une pièce 1x1 avec un crochet dans ce sens-là, comme pour l'autre. Hein. Ici, une brique avec un trou. Ici, une pièce fromage orange. Ici, une pièce encore 1x2 avec la même forme. Et ici, une pièce fromage blanche. Il ne reste plus qu'à mettre le Flickfire Missile, donc la même chose. Voilà. Et donc, on a fini à droite, donc on va la placer sur le vaisseau. Donc, vous prenez la même chose, vous faites la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et donc, votre vaisseau est bientôt fini. Il vous reste plus qu'à faire les réacteurs, donc on va les faire tout de suite. On commence par prendre une pièce comme ceci, donc 2x2 arrondi.
sur cette pièce de x2 avec une brique arrondie aussi avec des petits trous ici comme ça, voilà, gris clair encore. Sur cette pièce on va mettre, sur cette brique pardon, on va mettre une pièce comme ceci, grise foncée. Dans cette dans ce trou on va mettre un Flickfire missile. Voilà. On va emboîter une brique blanche avec un trou au milieu. On va mettre une sorte de bouteille, on va dire ça comme ça. Et il reste plus qu'à mettre l'embout qui est comme ça. Donc ça, on fait ça fois 2, donc on va le faire vite fait. Voilà, vous avez vos deux réacteurs et il ne vous reste plus qu'à les mettre dedans. Donc vous prenez la brique et vous allez la clipper sur ça. Hop, voilà. Et vous faites la même chose pour l'autre côté. Hop, voilà. Ensuite, il ne vous restera plus que ces quatre pièces-là. Donc avec ces quatre pièces-là, on va prendre ça. Hop, on va les mettre comme ceci. Et on va enfoncer dans le trou là. Hop, voilà. Faut juste bien enfoncer. On fait la même chose pour l'autre côté. Hop, voilà. Donc voilà, vous avez votre vaisseau fini. Donc il est vraiment très très classe. J'aime beaucoup ce microfighter. Il est vraiment très très bien représenté. Avec ce set, on peut avoir donc le pilote. Donc le pilote, il est comme ceci. Donc un corps vraiment très bien fait, un petit gun, voilà. Les mains blanches, donc des gants blancs. Un casque gris, assez simple, je trouve. Donc il a deux expressions, donc une expression assez content, assez fier, et une expression terrifiée, hein. Voilà. On peut le comparer avec le pilote d'un microfighter aussi, donc le X-Wing. Donc franchement, je trouvais qu'il était vraiment très très beau, le pilote du X-Wing. Après, il y a des trucs que je préfère plus dans celui-là et d'autres celui-là. Donc, je vais vous dire vite fait. Hein. Déjà, le casque, je préfère largement celui-là qu'à celui-là. Parce que je trouve que celui-là est trop simple. Mais après, voilà, c'est Star Wars, hein, c'est logique, c'est les vrais. Hein. Donc, sinon, le corps, je préfère un peu celui-là. Et les mains, j'aime bien aussi quand c'est blanc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à liker ma page Facebook, à me follow sur Twitch. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis merci et puis salut!